Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, par votre espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Nous allons commencer par la prière. Dieu fort, puissant et grand dans les combats. Nous nous remercions Seigneur parce qu'on fait nos grâces, on fait une faveur, on dépose grâce sous nous, on dépose protection sous nous. Nous bon gloire Seigneur pour ça, nous adorons, nous glorifions, nous magnifions pour amour, compassion, miséricorde, nous te manifestons envers nos Seigneurs. Ou mettez gloire, ou mettez honneur, ou mettez louange, ou mettez adoration, ou mettez exaltation, ou mettez remerciement. Jusqu'à présent, n'a vive encore, jusqu'à présent, m'a vive encore jusqu'à présent. Ou mettez gloire, ou mettez honneur, jusqu'à présent, cachez famille en bas protection. Papa, nous allons présenter parole, nous coubons bien bas devant nous. Pour une salmo Dieu non, pour une glorifier non, pour une exalter non, pour une magnifier non, pour amour, pour grâce, faveur, compassion, miséricorde, nous t'exerçons envers non. On va continuer illuminer intelligence non Seigneur, pour une capable présenter parole ou parler Seigneur, serviteur à côté, non pas pour parce que non bon. Nous prions au nom de Jésus ton Fils qui vit qui est au siècle des siècles, amen. Nous vous remercions parce que vous avez partagé, n'est-ce pas, mes études sur les réseaux sociaux, parce que vous avez fait des commentaires, parce que vous avez abonné à ma chaîne YouTube. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Nous étudions avec vous le lundi et le mercredi les doctrines bibliques. Le vendredi et le dimanche, le livre des Proverbes. Le samedi et le dimanche, venez louer et adorer avec nous. Donc aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet qui est transmettre la sagesse. Étude 38. Transmettre la sagesse. Nous allons apprendre. Transmettre sagesse là. C'est ça. Nous allons étudier aujourd'hui qui c'est transmettre la sagesse. Nous allons apprendre. Transmettre sagesse là. C'est ça. Nous allons aujourd'hui qui c'est transmettre la sagesse. Béni soit l'Éternel. Nous allons apprendre à transmettre sagesse là. Donc, les auteurs des proverbes ont jugé important, ont jugé nécessaire de transmettre leur sagesse. Voici encore des proverbes de Salomon, transcrits par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. Chapitre 25, verset 1. Chapitre 25, verset 1. Parole d'Agou, fils de Yoke, fils de Yake. Sentence de cet homme pour Itiel. Pour Itiel et pour Okal. Proverbe 30, verset 1. Parole du roi le Muel. Sentence pour laquelle sa mère l'instruisit. Que te dirige, mon fils? Que te dirige, fils de mes entrailles? Que te dirige, fils de mes vœux? Proverbe 31, verset 1 et 2. Nous avons vu dans l'étude précédente que les paroles dévoilent les cœurs. Normalement, qui veut transmettre la sagesse? Veut transmettre la sagesse. Qui est-ce qu'il veut transmettre sagesse là? Proverbe 10, verset 13 et 14. Proverbe 10, verset 13-14. Proverbe 10, verset 13. Il dit: sur l'élève de l'homme intelligent se trouve la sagesse. Mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Verset 13. Qui veut transmettre la sagesse? Il dit ça. Oui. Il dit: sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse. Qui est-ce qui veut transmettre la sagesse là? Est l'homme intelligent. Il dit: mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Verset 14.
Les sages, verset 14, les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. Qui veut transmettre la sagesse? D'après ça, nous autres là, c'est l'homme intelligent et les sages. L'homme intelligent et les sages, c'est eux-mêmes qui veulent transmettre la sagesse là. Parce que ou bien ils ont gagné, ou bien ils ont pas gagné. Donc, insensé pas qu'à transmettre la sagesse. Parce que insensé n'a pas gagné la sagesse. Proverbe 15, verset 7. Les lèvres des sages répandent la science. Mais le cœur des insensés n'est pas droit. Les lèvres des sages répandent. Répandre, c'est publier, gailler, faire qu'on est. Il dit les lèvres des sages, qui ça fait? Bouche moune, qui sage là? Qui ça le fait? Il fait qu'on est sagesse là. Qui est-ce qui veut transmettre sagesse là? C'est qui est-ce? Les sages. Yes. Les paroles du sage peuvent être très utiles. Selon Proverbe 18, verset 4. Il dit, les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Normalement, qui est réceptif. Normalement, qui est réceptif à l'enseignement de la sagesse? Qui monde? Qui est-ce qui est réceptif à l'enseignement de la sagesse? Qui est-ce? Proverbe 18. Verset 15, il répond qui est. Il dit un cœur intelligent acquiert la science et l'oreille des sages cherche la science. Question, qui est réceptif à l'enseignement de la sagesse? Qui est? Il dit qui est. Verset 15, il dit qui est. Il dit un cœur intelligent requiert la science, l'oreille des sages cherche la science. Un cœur intelligent acquiert la science. L'oreille des sages, ça l'a cherché. L'a cherché sagesse. Moun qui sage là, oreille moun qui sage là, ça qui passe. Mais moun qui insensé a pas même voulu écouter moun qui sage a qui parle. Mais l'oreille des sages cherche la science. Un cœur intelligent, ça l'a fait. L'a acquéri connaissance, l'a acquéri la sagesse. Donc, malheureusement, la sagesse ne peut pas être transmise à tous. Infelizmet, la sagesse là n'est pas qu'à transmettre à tout le monde. Qui ne peut la recevoir? Qui est-ce qui n'est pas qu'à recevoir? Malheureusement, la sagesse n'est pas qu'à transmettre à tout le monde, mais qui est-ce qui n'est pas qu'à recevoir? On regarde, Proverbe 27, verset 22, pour dire qui est-ce qui n'est pas qu'à recevoir? Proverbe 27, verset 22. Il dit, quand tu pilerais l'insensé dans un mortier, au milieu des grains, avec les pilons, sa folie ne se séparait pas de lui. Quand tu pilerais l'insensé dans un mortier, au milieu des grains avec les pilons, sa folie ne se séparait pas de lui. Nous regardons le texte encore. Proverbe 29, verset 20. Proverbe 29, verset 20. Il dit, si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui.
Si tu vois un homme irréfléchi, ça veut dire un monde qui n'a pas réfléchi dans la parole, et bien il dit qu'il y a plus à espérer, il y a plus à espérer d'un insensé que lui-même. Question, qui est-ce qui n'est pas capable de recevoir sagesse là? Il dit qui est-ce? Un homme irréfléchi. Yon moun ki irréfléchi pas capable recevoir sagesse là. Selon Proverbe 16 verset 22. Proverbe 16 verset 20. Proverbe 16 verset 22, il dit la sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Sagesse ça qui ça dit? Li son source de vie pour moun ki possède elle, pour moun ki gagne. Sagesse ça li son source de vie. Et il dit les châtiments des insensés c'est leur folie. Donc, le châtiment des stupides, c'est ça, c'est vrai? Le châtiment des stupides, c'est la stupide. Si l'insensé apprenait par cœur certains proverbes, lui serait-il utile? Question. Si l'insensé lui apprend par cœur quelques proverbes, est-ce que ça habite-t-il? En garde, proverbe 26, verset 7-9. Proverbe 26, verset 9, il dit comme les jambes du boiteux sont faibles, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. Il dit comme les jambes du boiteux sont faibles, ça veut dire tant que même les jambes boiteux sont faibles, mais c'est comme ça. Une sentence, sentence, c'est proverbe, oui. Une sentence, n'est-ce pas? Et comme ça, tout, une est une sentence dans la bouche. Des insensés, ça veut dire qu'il y a un insensé qui a prononcé pour proverbe dans la bouche. Il dit comme les jambes du boiteux sont faibles. Il dit comme les jambes du boiteux sont faibles. Et mais c'est comme ça tout. Il y a une sentence dans la bouche insensée. Waouh. Bézenef. Comme une épine qui se dresse dans la main d'un homme ivre. Mais ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. Question qui s'est dit. Si insensé a ta apprendre par cœur certains proverbes, est-ce qu'il y a pitié? Question. Je m'adresse à vous. Faites des commentaires. Maintenant, faites des commentaires. Si insensé a ta apprendre par cœur quelques proverbes, est-ce qu'il y a pitié? Proverbe ça veut lire apprendre par cœur, c'est le chapitre. D'après ça nous sautons là. Il dit comme une épine qui se dresse dans la main d'un homme ivre. Ainsi. N'importe quoi. C'est quoi? Proverbe 24 verset 7. La sagesse est trop élevée pour l'insensé. Béni soit l'Éternel. Sagesse là, elle est trop élevée pour l'insensé. Il n'ouvrira pas la bouche à la porte. Sagesse là, elle dépasse l'insensé. Sagesse là, lui tellement dépassé insensé. C'est comme si ou t'apprends un bon manger ou à le mettre le devant un pousseau. C'est même gens pour un monde qui t'apprend sagesse qu'à le mettre le devant insensé. Vous pouvez qui ça texte a dit? La sagesse est trop élevée pour l'insensé. Donc, si l'insensé apprenait pas que certains proverbes, il lui serait-il utile? Non, il va pas utile. Non. Il pas petit lui. C'est ton a perdu. C'est temps. On perd du temps. C'est temps on perd ou t'apprend un cochon ou à habiller. Bien habillé, bien propre, habillé bien propre. Là tout non qu'on a la boue. C'est même gens ou t'apprend proverbe. Ou la gen en bouche. Yon insensé, on perd du temps. Waouh. On perd du temps. Donc, nous voyons bien qu'il y a un problème. Pour recevoir la sagesse et devenir sage, il faut déjà au départ être sage. Pour recevoir sagesse là et pour devenir sage, il faut d'abord au départ être sage. En fait, c'est Dieu qui donne la sagesse de départ.
Sagesse de départ, c'est bon Dieu, baili. Quelle est cette sagesse dans l'alliance? Et à qui est-elle donnée? On regarde que ça, la Bible dit dans 1 Corinthiens 1, verset 22-24. 1 Corinthiens 1, verset 22-24. Il dit, les Juifs demandent des miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse. Ouais, Juifs, ça vous fait. Ils demandent des miracles. Grecs, qui ça recommandé? Grecs, eux-mêmes, ils cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et la folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. La question? Quelle est cette sagesse dans l'œil de la nouvelle alliance? Les 10 sagesse qui s'allient. Les 10 juifs qui ont demandé miracle et grecs qui ont cherché sa sagesse. Nous-mêmes, nous avons fait, nous avons prêché Christ crucifié. Quelle est cette sagesse dans l'œil de la nouvelle alliance? Sagesse de la nouvelle alliance qui s'allient là. Il dit, nous avons prêché Christ crucifié. Scandale pour les juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Pour ceux qui sont appelés tant juifs et grecs. Éphésiens 1, verset 4, 8. Éphésiens 1, verset 4, 8. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation, du monde. Jésus-Christ. En lui ici, c'est Jésus-Christ. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. C'est ça. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, mais le pardon des péchés. C'est la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Par toute espèce de sagesse. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence. La question, telle donnée. C'est 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Faites des commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas, n'est-ce pas, à me les envoyer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous cache. C'était votre serviteur qui ne venait partager avec vous la parole de Dieu. Nous venons d'étudier ensemble aujourd'hui notre sujet qui est transmettre la sagesse. Partagez, faites des commentaires. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Amen.